Voici Frédéric Électrique. J'étais petit, j'ai pris un tournevis. Je l'ai mis d'une prise de courant, puis j'ai volé en crisse. La moitié de mon cerveau est parti en fumée. Depuis ce temps, je suis débile léger. Si vous avez envie de taper des mains, ne le faites pas! Comble du hasard, j'ai eu des super pouvoirs. Quand les lumières sont éteintes, je brille dans le noir. C'est super full pratique, à Montréal l'été, je peux éclairer le sol pour cueillir des seringues souillées. Je suis Frédéric Électrique. Bonjour les petits électrons, ça va bien ce matin? Moi, ça va super bien, car j'ai reçu une très bonne nouvelle. Je suis officiellement acquitté! Avant de commencer l'émission, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez toujours nous envoyer des photos de vous en train de manger des trucs rigolos. On se souvient que la semaine passée, le petit Danny nous avait envoyé un portrait de lui pendant qu'il prenait des grandes bouchées de laine minérale. Ça m'avait fait rire! J'ai d'ailleurs envoyé un laissez-passer au petit Danny pour aller à la ronde, car il aura besoin de se changer les idées maintenant que ce rein ne fonctionne plus. C'est maintenant l'heure de commencer notre émission en apprenant les couleurs. Alors voici la première. Pistache frivole. Épinette mochade. Pomme articulée. Attention, la prochaine couleur, ce n'est pas une couleur très commune. Le vert. Et le vert. Bravo, nous avons appris. Faisons une culbute ensemble pour se récompenser. Aïe, aïe, aïe. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait des culbutes. La dernière fois, c'était dans une maison close à Bangkok. Tu sais, Bangkok se situe en Thaïlande. À cet endroit, les enfants y sont très chanceux, car au lieu d'être traités comme de vulgaires gamins, là-bas, il y a tout plein d'adultes qui veulent jouer avec eux. Nous arrivons maintenant à la partie éducative de du programme qui aura pour thème aujourd'hui la séparation. Oh. Tu sais, même si ta maman n'aime plus ton papa, elle ressent encore des sentiments pour lui, comme le mépris ou la pitié. Oui! Et s'ils disent que ce n'est pas ta faute s'ils ne sont plus ensemble, détrompe-toi, ils étaient si heureux avant ta naissance! Faisons du bricolage! Aujourd'hui, pour le bricolage, nous aurons besoin d'un bac, de l'eau et d'un dernier ingrédient. Attendez, je vais le chercher, ce ne sera pas très long. Nous aurons donc besoin du courant continu! Alors, je mets mes pieds dans le bac. C'est une plaisanterie. Tu sais bien que moi, l'électricité, ça ne m'affecte pas. Regarde, ça me fait rien. Si tu veux savoir si toi aussi tu es immunisé, je te suggère fortement d'essayer cette expérience à la maison. Cette semaine, nous avons reçu plein de petits messages de vous, les petits électrons. Alors nous allons en lire quelques-uns ensemble. Le premier est un message texte de la petite Sophie Kim, 14 ans. Elle nous dit « Yo, Fred,
Ça commence bien. Ma mère bat trip, y'a que parce que je suis enceinte de mon prof d'éthique. Bien, tu sais, Sophie Kim, des fois, les parents ont raison de mettre des restrictions à leur enfant. Par contre, j'avoue que je ne comprends pas moi non plus dans cette situation. Alors je te suggère de faire une fugue! Nous avons aussi reçu une lettre de la petite Annie Trottier. Une lettre! Tu sais ce que ça veut dire, ça? Que ses parents sont pauvres car elle n'a pas Internet! J'ai besoin de mon coupe-papier. Ah! Elle était déjà ouverte. Alors voici. Cher Frédéric, aurais-tu un conseil à me donner? Car je suis très malade et il ne me reste qu'une semaine à vivre. PS, joyeux Noël. Oups, je vois que tu es triste car l'émission tire déjà à sa fin. Mais ne t'en fais pas, je t'ai préparé une liste de choses à faire aujourd'hui si tu t'ennuies. Premièrement, tu peux aller fouiller dans le tiroir de ton père et y regarder les revues que tu y trouveras. Tu vas voir, il se passera des trucs comiques dans tes Bermudas. Tu peux aussi aller sur Internet pour revoir toutes mes émissions, incluant mon fameux numéro de lanceur de couteau avec les feux jumeaux Patterson. On repassera pour les réflexes, hein? Alors maintenant, c'est le temps de nous quitter. Alors je te laisse sur ce conseil de fin d'émission. Si tu veux goûter un truc disjoncté, lèche une clôture électrifiée. S'il n'y en a pas dans ton entourage, joue au cerf-volant pendant un orage. Au revoir les petits électrons! Jonathan Guérin.